irai pas là. Non, on est bleu. Ouais, les habits non plus. Les habits de travail sont pareils, il n'est pas au lit, il n'est pas dans le lit. Il a dormi peu. Ouais. Ouais. Comme je suis là maintenant, tu vois. Je sais pas. Il boit de bière. Louche. Comme un alcoolique des fois. Ouais. Ouais. Il a peur. Le général Guisan, ça c'est bon ça. Notre supérieur. Puis. Il peut regarder la mémoire avec mes. Ouais. Tu vois. Je sais pas. Mais bon, il boit un peu. Lui, il boit ici, mais des fois, quand je suis tout seul pour maintenant, je vais. Ouais, j'ai aussi envie de boire un petit peu. Attends, je cherche une bouteille pour moi. Je vais vous raconter quelque chose maintenant. Moi, j'étais très, très déçu de lui. Ouais. J'étais très, très déçu de Fonzie. Alors, écoutez. Peut-être vous le savez, il a maintenant patron. Il a trouvé du travail et il est toujours à l'heure. Il va à gauche, à droite, partout. Et maintenant, apparemment, il a du travail sur un chantier. Et puis, il avait le rendez-vous avec le chef de chantier, puis Fonzi. Le travail commence à 7 heures. Pas de problème. Oui. Je vous dis, la l'heure toujours, il n'y a pas de problème. Alors, lundi matin, 7h, Fonzie, il n'était pas là. Il n'était pas sur le chantier. Mais à 8h, il n'était pas là. Tu te rends compte, nombre de bleu, hein? Oui, il m'a téléphoné. Et puis, oui, apparemment, 9h30, Fonzie, il est arrivé sur le chantier. Et puis... Le chef de chantier m'a demandé, Fonzie. Mais t'étais où, Fonzie? Il faut commencer à 7h, pas à 9h, comme ça. Et Fonzie l'a dit, mais tu sais, moi, je me suis réveillé à 6h. Et puis, j'ai regardé dans mon miroir et j'ai vu que j'avais les cheveux un peu rouges à droite. Alors, j'ai pris une douche. Et puis, j'ai voulu faire juste un peu le bello Giovanni, tu vois. Et je suis un peu de retard, mais tant pis, quoi. Ça, je connais pas les Fonzie. Je sais pas pourquoi. Depuis quand qu'il est comme ça, je pense qu'il est un peu... Ça se peut, hein. Alors, on a dit mardi à 7h. Mardi, la même chose. À 9h, il est arrivé, le chef de chantier de mon frigo. T'es où? Allez, je me suis réveillé à 6h. J'ai regardé le miroir, puis j'ai vu que j'avais les cheveux de nouveau. Sur le chantier. Même à 8h, même à 9h. Même à 10h, il n'était pas sur le chantier. Le chef de chantier, il est venu ici, quoi. Il a frappé. Qu'est-ce qu'il a trouvé, Fonzie? Il l'a mis encore. Un salaud. Oui. Il l'a réveillé, puis... Fais-y! Mais pourquoi tu es encore dans le lit, là?
réveillé de... Apparemment, il a dit, je me suis réveillé de nouveau à 6 heures. Je suis allé devant le miroir. Je voyais rien, je me suis pas vu. Alors moi, j'ai pensé que j'étais déjà parti. Et puis voilà, je suis retourné au lit. Hein? Ça, c'est grave. Hein? Quand tu es là, tu fais des choses comme ça. Et puis là, il a perdu le job. Sur le chantier. Mais c'est pas grave, hein, parce qu'il a encore... Oh, maintenant, il a beaucoup de travail. Oh, ouais, il a beaucoup de travail. Peut-être que tu le sais, là, il est assuré. Oh, il a fait un super job, là. Ah, oui. Bon, il a pas chopé, mais il a travaillé comme fou, comme fou, là-bas. Hein? Le téléphone. Fait un contrôle de bruit, là-bas. Attendez. Bon, alors écoute, comme ça c'est la première fois que vous me voyez, ouais, parce que là, je voulais toujours un peu me cacher parce que, ouais, tu sais, ouais, c'est Fonzi le chef, oui, chez nous c'est Fonzi qui est le chef, ouais, et je ne vais pas avoir de problème. Alors, écoute, je vous souhaite, maintenant j'y vais parce que je vais faire la cuisine, hein. Tout le monde, salut! Mon ami, bye bye, salut. Voilà, allez hop. Peut-être il vient encore une fois, Fonzi. Peut-être il vient encore une fois, ce soir chez moi. Hey, ça va être une super soirée, le nom de bleu.